Bonsoir à tous, il est 18h04, on est un petit peu en retard parce qu'on a eu un petit problème. On est en train de jouer en dernière minute, voilà, Jérôme a terminé sa session de Pac-Man, et ce qui fait que bon, voilà, j'arrivais pas à... J'étais en train de mettre à jour mon firmware. Ah, c'est pour ça. Bonjour et bienvenue, donc, avec quelques minutes de retard, on s'en excuse, mais c'est parti donc pour le débriefing de l'actualité high-tech, comme chaque jeudi soir, en direct sur 01Net TV, avec un menu très sympa, encore une fois cette semaine, puisque nous allons parler, Jérôme, dans un instant, de l'Apple Watch. Tiens, c'est étonnant, ça faisait longtemps. Bah oui, elle arrive, enfin presque l'Apple Watch, puisque demain, c'est le jour officiel pour la pré-réservation. Vous pourrez aller la voir, la toucher, l'essayer, sans doute à condition de faire la queue. Mais pas l'acheter. Dans un Apple Store, la commander, mais pas, vous ne pourrez pas repartir avec, puisqu'effectivement, la livraison, c'est... Le 24 avril. Donc voilà, on en parlera tout à l'heure avec Pierre Fontaine et Christopher Siminelli. Nous irons aussi du côté du Zoom Actu de Delphine Sabatier. Peut-être avez-vous pu voir le petit teasing qu'on avait fait en vidéo sur Periscope. Et oui, c'est la folie maintenant de ces applis qui vous permettent de diffuser des vidéos en streaming live. Ça sera le sujet du Zoom Actu de Delphine. Exactement. Côté labo, nous retrouverons David Noguera qui nous parlera de balance connectée. Et puis François Bedin qui nous a dégoté une nouvelle enceinte sans fil qui, pour dire simple, dépote sa race en fait. C'est ça ? C'est pas beau, Jérôme. C'est pas beau. Non, c'est pas très beau. Je me suis lâché. Mon vocabulaire est en grève. Ou pardon, excuse-moi. C'était pas personnel, tout ça. Ça, c'est pas très malin. C'est pas malin. Bon, écoutez, voilà. Soyez les bienvenus. C'est parti pour ce 01Live Hebdo. La question orange du jour, comme d'habitude, eh bien elle est simple. Aujourd'hui, la question orange, c'est « Pensez-vous acheter l'Apple Watch ?» Est-ce que ça vous tente? Oui? Non? Alors on est brutasse hein, cette semaine. Hein. Pensez-vous acheter l'Apple Watch? C'est oui ou non? C'est pas peut-être ou autre chose ou je ne sais pas. Non, c'est oui ou non. Est-ce que vous êtes séduit par cette montre d'ores et déjà? Eh bien, dites-le nous. Vous allez sur la page 01nettv.com. Voilà, 01nettv.com. Vous cliquez et vous nous donnez un petit peu votre avis. On fera le point sur ce sondage dans quelques minutes. Ouais. On est tout de suite l'Apple Watch. Ah bah oui. On y va, c'est parti. Avec Pierre Fontaine qui est là. Salut Pierre. Bonjour. Pierre Fontaine et Christopher Siminelli. Bonjour. Voilà. Alors Pierre, vous le savez, est un spécialiste Apple et Christopher est rédacteur en chef du labo 01Net. Et tous les deux, vous avez plein de choses à nous dire sur cette montre connectée, donc l'Apple Watch qui, voilà, est annoncé, qui va être en précommande dès demain. On va peut-être commencer par toi, Pierre, parce que bon, ben voilà, tu l'as eu en main cette montre. On a suivi la keynote ici même sur 01Net TV où tu étais, voilà, à côté de cette montre. Je l'avais même autour de mon poignet. Tu l'avais même autour de ton poignet. Cela dit, Christopher l'a eu aussi. C'est incroyable pour une montre. Bon, voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que demain, ça va être la folie dans les Apple Store, à ton avis? Alors moi, personnellement, j'ai cassé ma boule de cristal il y a assez longtemps, donc je tire plus de pronostics là-dessus. En revanche, chez Apple, on a l'air de se dire que ça va être pas mal la cohue, parce qu'il y a un communiqué qui a été envoyé aujourd'hui par la société pour dire que les précommandes se feront exclusivement en ligne pendant la période de lancement, tellement il y a de gens qui trépignent devant leur écran ou qui trépignent devant les Apple Store. Donc a priori, Apple s'attend à avoir un mouvement assez certain des fans de la première heure. Qu'est-ce qui va se passer demain matin, en fait? Demain matin, le soleil va se lever. Ça c'est, enfin là pour le coup, je me mouille un peu, mais je pense que le soleil va se lever. C'est vrai, ton bol de chicorée, comme d'habitude. Voilà. Hein, voilà. Et après, donc à partir de 9h, on va à l'Apple Store. Les Apple Store s'ouvrent. Qu'est-ce qui se passe? Et alors, il sera possible de faire des petites séances de prise en main accompagnées par un vendeur Apple en bleu avec les jolis t-shirts bleus. On pourra donc on pourra essayer la montre, se faire conseiller. Par exemple, si je suis toujours en jean basket et que j'adore courir tout le temps, ben on me déconseillera peut-être plutôt de prendre les montres Orca 18 carats. On va peut-être me recommander plutôt la Watch Sport. Enfin voilà, donc on me conseillera en fonction de mes besoins, de ma façon d'utiliser. Je vais pouvoir la porter au poignet? A priori, normalement, oui. D'accord, donc pouvoir la découvrir, découvrir quelques-unes de ses fonctionnalités. Voilà, essayer différents types de bracelets. Mais je crois qu'il y a une limitation, on peut en essayer que deux. Hein. Oui, voilà. Ouais. Non, de toute façon, normalement, les slots sont de 15 minutes si mes informations sont bonnes. D'accord. Donc là, il faut se lever tôt. Est-ce qu'on peut imaginer que demain, il y aura des files d'attente devant les Apple Store pour que les gens soient les premiers à tester? Oui, parce que finalement, comme ils ne repartiront pas avec, est-ce qu'ils ont vraiment intérêt à aller faire la queue demain ? Donc je vais repartir sur ma boule de cristal vu que c'est la même question. Franchement, j'en ai aucune idée. Certainement que on avait vu quand il y avait une pré-présentation chez Colette, il y avait eu déjà une petite queue et des gens très motivés qui avaient voulu la voir. Donc je pense que là on est à J moins pas grand chose. Effectivement, les personnes voudront la voir et il y aura certainement une petite queue de fans, peut-être même une grande queue de fans. Une file d'attente, s'il te plaît. Oui, on dit une file d'attente plutôt. Zapping terrible à la télévision où il y avait toujours un journaliste qui disait oui, il va y avoir des grosses queues, des grandes queues, etc. Et puis à chaque fois il y avait des journalistes qui disaient oui, des files d'attente. Ouais. Oui, mais chez Apple, j'ai l'impression que chez Apple ça ne partira pas en couille de toute façon. Ah non, oh là là, bon moi j'y vais. C'est pas possible. Ils ont pas émis un souhait d'en finir avec les mecs qui dorment, qui passent la nuit. Si je crois que ça les amuse plus vraiment. Les euthanasiés ou... Oui, j'ai vu ça. Non, mais c'est vrai que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. J'ai cru voir passer ça. L'objectif. Alors, est-ce que c'est un vœu pieux? Est-ce que c'est face à un grand engouement pour la montre, ou au contraire face à un faible engouement pour la montre? C'est difficile à dire. Mais ce qu'on sait effectivement, c'est qu'ils essayent de structurer un petit peu l'acte d'achat, mais ça en même temps, ça colle aussi beaucoup au discours marketing d'Apple qui dit c'est un produit personnel, et un produit personnel, bah c'est pas comme ce smartphone, bah c'est le même smartphone que tous les autres. Je veux essayer le bracelet, je veux essayer éventuellement le boîtier, etc. Donc voilà, effectivement, ça colle un petit peu à cette optique. C'est un produit de grande consommation, mais personnel. La cérémonie de réglage du bracelet, peut-être aussi. Voilà. Oui, parce que c'est un nouveau métier pour Apple que de vendre des montres. Hein. On ne vend pas une montre comme on vend un smartphone ou un iPad. Tout à fait. Les gens soient là, regardent, testent les différents modèles, etc. Et d'ailleurs, il y a ils font du pain, je te raconte pas. Il y a ce qu'ils appellent des watch barricades, c'est des espèces d'endroits. Des watch barricades, qu'est-ce que c'est que ça? C'est des lieux, donc différents magasins en France, aux Galeries Lafayette, enfin à Paris, c'est aux Galeries Lafayette. Un corner. C'est plus qu'un corner, c'est une zone qui est complètement close au sein du magasin où les gens vont, entre guillemets, retrouver une expérience Apple Store, mais un petit peu tamisée, tranquillement. Parce que c'est un produit qui est présenté, qui est plus qu'un produit high-tech, c'est un produit de luxe. Enfin, quand on voit le prix du dernier modèle. Alors parlons-en un peu du prix, parce qu'il y a déjà des questions sur Twitter et des réponses à notre sondage, est-ce que vous l'achèterez ou pas? La première réponse c'est mais non, elle est trop chère, elle est beaucoup trop chère. Elle démarre à quel prix? En France, 399. 399 euros, bien sûr, donc des euros bien français. 399, c'est alors ça c'est la version. Alors ça c'est la version sport. Oui, c'est la version sport. Petit modèle. La 38 mm. Voilà. Qui qui est avec le bracelet en poly, je sais pas. Polycaoutchouc. Oui. Polyuréthane ou je sais plus quel est le terme exact, mais voilà, qui est un bracelet en caoutchouc, qui est un boîtier en aluminium. Et donc après bon, le reste technologiquement à l'intérieur c'est la même chose. Après effectivement le modèle Watch tout court qui n'a pas d'appellation est vendu lui à partir de 649 euros. C'est François Bedin qui rentre, pas de soucis. Rentre ici, François Bedin. Il dort là, hein, François, c'est pour ça. Donc après, c'est 649 euros, effectivement, pour le modèle qui est avec une coque en acier. Oui. Poli, très poli. Et ensuite, on a la version édition, qui est la version avec le boîtier en or, soit jaune, soit rose, 18 carats, et qui commence à 11 000 euros, qui termine à 18 000. Bon, là, je suis pas sûr qu'il y ait grand monde. Enfin, parmi eux, sans vouloir présumer quoi que ce soit. Bien sûr, sans vouloir vexer Tim. Voilà. Mais en tout cas, dans cette pièce, je pense qu'on sera pas plus de 4 à la Watch. Exactement. Oui. Donc demain, en fait, j'essaie la montre et après, si je suis séduit, je vais pouvoir directement la commander. La précommander en ligne. Voilà. En ligne. Je ne la précommande pas dans le magasin. Je repars chez moi et je vais sur mon petit ordinateur et je la précommande. Si j'ai bien interprété les propos du communiqué envoyé par Apple, c'est ça, oui. Donc tu ne repars pas du store. Suite à ce rendez-vous, tu ne repars pas avec la montre? Ah non, de toute façon, tu peux pas. Elle sera commercialisée le 24 avril. Voilà. Donc là, c'est pour ceux qui auraient un doute ou pour ceux qui aimeraient l'avoir ou pour ceux qui voudront en acheter une palette. Ceux qui ont besoin d'avoir l'heure, quoi. Mais effectivement, ils font tout pour dissuader. Hein. Moi, j'y suis passé hier à l'Apple Store et on m'a expliqué. Mais alors vraiment, je vous un conseil, ne venez pas le matin pour l'acheter. Repérez le modèle qui vous intéresse, commandez-le sur Internet et éventuellement vous passerez la voir voir quand vous pourrez. Mais tout est fait pour pousser les gens sur Internet exclusivement. Bien sûr, évidemment. Christopher, tu as eu la chance très récemment d'avoir cette montre au poignet et évidemment ça ne t'a pas laissé indifférent. Je l'ai eu une heure ou deux au poignet et à vrai dire, bon, Pierre a eu la chance de l'avoir au poignet à plusieurs reprises. Moi c'est la première fois que je rentrais en contact avec cet objet. Comme il en parle bien. Ouais, c'est beau. Voilà. Après, je rentre. Stop. Ouais. Attention. Mais... Non, rien. Et ben, j'ai un petit mot qui m'est arrivé tout de suite, c'est boudiner. Pardon? Boudiner. Ouais. Ouais. C'est-à-dire, tu t'es sorti boudiner avec la montre ou... Non, c'est pas ça. Non, mais je sais pas. Bon, moi, je connais bien les montres connectées. On en teste beaucoup au labo. On a eu les Moto 360, les G-Watch Air, etc. Toutes celles qui sont sorties. Et je sais pas, en termes de design, je l'ai trouvée voilà, un peu grassouillette, un peu épaisse. En fait, je trouve qu'elle fait penser au premier iPhone, qui faisait un petit peu boudine, effectivement. Exactement. Même si à l'époque, c'était un peu... Le reste était tellement impressionnant déjà, que voilà. Mais c'est vrai que le design, c'est un peu... Après, finition... franchement exceptionnel, c'est vrai que les matériaux utilisés, ben, voilà, c'est Apple, on est chez Apple. L'écran m'a fait une très forte impression, bien défini, plutôt très lumineux. J'ai joué avec, c'est plutôt réactif. C'est un système quand même qui demande un peu de temps à être appréhendé, pris en main. C'est pas évident. C'est ce que tu avais dit d'ailleurs après la prise en main. C'est pas aussi intuitif que l'iPhone. Ouais. Non, alors en fait c'est la multiplication des points d'interaction parce qu'on a l'écran. C'est ça. Alors non seulement on a l'écran qui est tactile, déroutant. Pas multipoint mais qui est tactile, et en plus après il y a ce qu'ils appellent le moteur haptique, c'est-à-dire que plus on appuie, plus on peut, enfin on sent la pression. L'ordinateur sent la pression, donc ça peut être une façon d'interagir. Par exemple pour personnaliser les cadrans, on maintient le doigt enfoncé et hop, on fait apparaître la fonction. Voilà. Donc c'est une façon d'interagir. On a le petit bouton latéral qui fait penser un petit peu au bouton de nos iPhones pour remettre en veille, mais qui là permet de faire apparaître la liste des amis. Donc ça peut être un peu déroutant. Qui permet aussi, quand Apple Pay est disponible, de valider un paiement. Et puis on a ce qu'ils appellent la couronne digitale, qui est donc un peu le remontoir du montre. Voilà, qui est la version moderne du remontoir et qui permet parfois de faire ce qu'on peut faire à l'écran, c'est-à-dire faire défiler un texte, mais sans cacher l'écran avec son doigt, qui permet de zoomer, dézoomer, qui permet de faire... Enfin bref, voilà. Et c'est vrai que cette multiplication de points demande un petit peu le temps de se repérer, et après il s'ajoute à ça le fait que selon qu'on fait glisser son doigt du haut de l'écran ou du bas de l'écran, on n'a pas les mêmes choses qui s'apparaissent, donc il faut vraiment apprendre à se repérer, j'allais dire dans l'espace logiciel de l'interface, quoi. Ouais, exactement, moi j'avais pas toutes ces notions là, j'avais pas eu le mode d'emploi, etc. Je l'ai pris comme n'importe quelle autre montre, et c'est vrai que c'est déroutant cette couronne, le bouton en bas à droite là, qui est un peu l'équivalent du bouton home sur les iPhones pour revenir toujours à l'écran d'accueil, le tactile, voilà, bon c'est un peu, faudra un petit temps d'adaptation. Après moi ce qui m'a marqué quand même c'est que il y a beaucoup plus de fonctions, j'ai l'impression, que sur Android Wear. J'ai joué un peu avec Plan par exemple. Donc en fait c'est un peu sans doute la montre connectée la plus aboutie du moment. En termes de fonctions, hein. En termes de fonctions, techniquement moi je ne pense pas qu'elle soit spécialement supérieure, parce que bon on va forcément parler de l'autonomie à un moment ou à un autre, mais une journée ça reste dans la moyenne même plutôt basse de ce qui se fait. Voilà, les montres Android Wear, c'est plutôt une journée et demie, mais de manière en usage intensif, hein, c'est pas juste je regarde mes notifications. Donc techniquement, elle n'est pas spécialement supérieure aux autres, mais clairement en termes de fonction, cette petite version d'iOS là est plus riche que Android Wear à l'heure actuelle. Un petit coup d'œil quand même sur notre sondage. Donc, est-ce que vous êtes prêt à vous offrir une Apple Watch? C'est quand même étonnant. Ouais. 72,5% de non. Mais la vraie question c'est, est-ce que vous êtes prêt à nous offrir une Apple Watch? Non mais enfin là c'est quand même assez franc, c'est-à-dire qu'on n'est pas à 50-50 ou etc. C'est-à-dire que voilà, il y a 3 personnes sur 4 qui aujourd'hui estiment que voilà, ils n'achèteraient pas. Mais je pense que ça, enfin alors il y a plusieurs choses, mais je crois que la première chose déjà c'est que la plupart des utilisateurs n'ont pas d'intérêt à avoir une smartwatch tout court. D'ailleurs, enfin, on le voit, hein, les smartphones se vendent, mais c'est pas tout le monde en a pas au poignet. On est quelques geeks ici, on a tous eu une au poignet à un moment ou à un autre. Mais ce facteur de forme n'a pas encore imposé son côté incontournable. Et d'ailleurs, c'était une des missions d'Apple, c'était de rendre incontournable la smartwatch. Est-ce qu'ils ont réussi? A priori oui et non, selon, enfin, à voir les premières critiques faites par la presse américaine notamment. Ils tous sont unanimes pour dire c'est la meilleure smartwatch qui était conçue en termes d'équilibre entre les capacités techniques et les capacités logicielles. Mais après, tous disent, bah, il y en a certains qui disent ah, c'est génial, je peux plus m'en passer, puis d'autres qui disent bon bah passez votre chemin. Pour l'instant, c'est pas encore incontournable. Donc effectivement, je pense que le sondage là, il met exactement le doigt là-dessus, c'est que pour l'instant, les smartwatches, bah, on vit très bien sans. Ou alors, en tout cas, on ne sait pas qu'on peut, vivre mieux avec. Peut-être. Oui, voilà. Rappelons-nous le début de l'iPhone, hein, et l'iPod même. Hein, on se disait, mais à quoi ça sert? Franchement, est-ce que c'est révolutionnaire, etc. Bon, l'iPhone, on l'avait quand même senti très vite. Hein, que c'était, il y avait quelque chose de lourd. Hein. Le fait qu'un objet soit totalement inutile, généralement, ne freine pas les geeks. Bien sûr. On a plein d'exemples à donner. Mais là, clairement, c'est un objet inutile qui, en plus, enfin, inutile. Hein, qui a un prix très élevé, quoi. C'est un frein quand même assez, assez radical. La suite de l'histoire demain, et puis le 24 avril, hein, quand cette montre sera disponible véritablement dans le commerce, que tout le monde pourra l'acheter. D'ores et déjà, demain, on aura quelques petits éléments de réponse. Hein, Jérôme, tu vas te lever tôt demain pour aller voir un peu ce qui se passe? Je crois que je vais aller prendre la température un peu du côté de l'Apple Store Opéra, pareil. Ouais. Et on en parlera aussi demain dans De Quoi Je Me Mêle, de cette Apple Watch, bien sûr. Messieurs, merci beaucoup. Merci à Christopher Siminelli et à Pierre Fontaine. Pierre Fontaine aussi qui sera... J'ai dit ça pour sa communauté de fans qui est quand même assez importante. Ouais. Il sera à l'Apple Store Opéra demain. Ouais. Hein. Si vous ne pouvez pas voir la montre, au moins, vous apercevrez peut-être Pierre Fontaine. Sur lui. Hein. Voilà, c'est ça. Il sera habillé d'une montre. Hop. Ça tombe pas. Bon, allez, un peu plus de sérieux dans un instant. On va parler de ce boom des applis qui permettent de retransmettre des vidéos en live. Et ce sera avec Delphine Sabatier. Ça sera le Zoom Actu de cette semaine. À tout de suite. Voilà, si vous étiez avec nous juste avant le début du JTech sur Periscope, eh bien vous nous avez peut-être aperçu faisant notre petit numéro avec François. Periscope, c'est la nouvelle appli dont on parle. Et on pourrait également citer Meerkat. Donc deux applis qui font le buzz en ce moment. Ce sont des applis qui permettent de faire de la vidéo en live, personnelle, avec un smartphone. On devient soi-même une chaîne de télé. Delphine Sabatier, c'est révolutionnaire. C'est effectivement révolutionnaire, c'est une vraie grande étape dans notre vie numérique. Alors pour s'en convaincre, il suffit de les installer, vous lancez des vidéos et ça vous fera à peu près les mêmes impressions que lorsque vous avez découvert Internet, le web mobile, les blogs, les réseaux sociaux. On est vraiment en train de traverser quelque chose de très très nouveau. Alors pour juste rappeler le principe, on se connecte donc sur Periscope et on accède à des tas de gens en train de se filmer en direct partout dans le monde. Alors il y a déjà à boire et à manger, hein. Oui, alors il y a à boire, il y a à boire et à manger, mais de toute façon, intéressant ou pas, c'est quand même toujours super excitant. Oui. Par exemple, moi ce matin, j'étais avec un présentateur de NBC, donc j'étais en plateau TV à New York. Lui, pour lui, il était 3h du matin, il avait mis son smartphone comme ça à côté de lui, et entre deux interventions en direct en TV, il nous faisait des petits clins d'œil, il répondait à nos questions. Génial. À l'oral, et nous, on lui posait des questions, on disait, est-ce que ça marche ton oreillette? Enfin voilà. Et donc c'était très sympa, c'est étonnant de se rendre compte qu'on puisse vivre les choses comme ça en direct. Et le type, il fait ça en bossant quand même. Hein. Oui, tout à fait. Bon, il y avait aussi une artiste peintre qui était en train de terminer une œuvre et qui recevait des offres faramineuses pour être achetée tout de suite. Ça reste un peu léger. Il y a des choses aussi plus sérieuses comme des meetings politiques ou des conférences de presse. Alors, ce ne sera pas toujours passionnant, mais c'est vrai que du coup, on n'a plus besoin d'avoir des journalistes ou des caméras qui sont présentes. N'importe quel amateur devient un témoin permanent de ce qui se passe. Mais oui, on n'a plus besoin des journalistes. À tout moment. Et en plus, on est tous des complices absolument invisibles. Alors, on imagine aussi les dérives possibles, hein, Delphine, parce que forcément, pouvoir tout partager en vidéo en direct, c'est génial, mais ça peut poser aussi des problèmes. Oui, alors il y a effectivement aussi le côté glauque. On assiste à des scènes de sexe en direct, bon, un classique. Non, c'est pas vrai, Delphine. Oh si, c'est un peu comme sur Chatroulette, sauf que... Vous avez zappé à ce moment-là. Bah, non, mais ça dépend qui. J'ai même pas lancé. J'ai même pas lancé, d'accord. L'avantage quand même de ces applis par rapport à Chatroulette qui a sombré dans l'oubli maintenant, c'est que là, c'est quand même des applis mobiles. Donc on est à l'extérieur. Les gens sont pas juste dans leur chambre à coucher ou au bureau de l'ado. on peut filmer ce qui se passe dehors. Ouais. Dans le genre glauque aussi, ou moins fun, des soirées drogue entre copains, il y en a aussi pas mal. Tout ça, ça coexiste quand même sur ces applis. Ça pose aussi des problèmes juridiques, ces applications, en termes de droit à l'image, par exemple. Comment je peux faire pour faire respecter mon droit à l'image si je peux être filmé à n'importe quel moment par n'importe qui et en direct? Comment on répare mon préjudice? Ça pose des questions d'exclusivité aussi pour les retransmissions des grandes rencontres sportives, des spectacles. Par exemple, hier soir, il y en a un qui a donné le mauvais exemple, il me semble. C'est le directeur de l'Opéra de Paris qui a passé sur Periscope un petit extrait du lac du Cygne, très joli d'ailleurs. Bon, voilà, ça pose ce genre de questions. Ouais, et il faut savoir que ces applications, elles se dédouanent totalement de toute responsabilité. Donc si vous avez diffusé des contenus illicites, si vous diffusez, par, je ne sais pas, ça peut être aussi des scènes de crime, des délits courants, eh bien vous êtes 100% responsable. Cela dit, bon, c'est lié à notre compte Twitter, hein, en tout cas pour Periscope, donc on n'est pas, on n'est pas anonyme. On n'est pas anonyme, c'est-à-dire que on n'est pas tout à fait anonyme. On peut retracer et retrouver facilement l'auteur de la vidéo. On n'est pas protégé derrière l'anonymat, donc il faut effectivement faire très attention. Sauf si on vous pique votre smartphone et on se sert de votre compte Twitter. Là, c'est bien. Si on utilise un pseudo, à ce moment-là, il faudra vraiment une action en justice pour savoir qui se cache derrière le pseudo. Et il y a un autre effet pervers aussi, c'est donc il y a des commentaires en direct, il y a des petits cœurs qu'on envoie, ça c'est trop mignon, c'est très sympa, mais ça peut encourager aussi des gens à faire des bêtises. Oui. Par exemple, il y en a un qui conduisait à 150 km/h et qui se filmait, enfin il filmait son compteur, et derrière tout le monde disait vas-y encore, appuie sur le champignon. Bon, faites attention, voilà, faut pas s'emballer non plus. Bref, un nouveau joujou, mais prenons garde. Oui, prenons garde. Avec des conséquences énormes. Je vous dis, c'est une révolution. Et puis non, mais on peut imaginer aussi en termes de journalisme. Hein, imaginez un reporter sur Periscope qui a de la 3G ou de la 4G et qui est sur un point chaud du globe. Par exemple, dans un sous-marin. Non, mais... c'est compliqué. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, n'importe qui peut filmer quelque chose en direct et être repris sur une chaîne de télé. On peut arriver avant les chaînes de télé. Il y a BFM Témoin aujourd'hui. Alors là, vous imaginez l'ampleur que ça va prendre. Merci beaucoup, Delphine. Merci, Delphine. Je voulais vous dire aussi que c'est bientôt mon anniversaire et que moi, je ne serais pas contre une Apple Watch. Voilà. Simplement, Delphine, ça me pose un problème en termes de montant, parce que je me dis, ça va leur coûter cher à tous quand même de m'offrir ça. Ça me de la peine, et surtout ça risque au bout d'un an d'être totalement périmé. C'est vrai que c'est ça le problème qu'on n'a pas évoqué juste avant. Je trouve que ça tombe bien, parce qu'elle deviendra périmée. Au bout d'un an, l'écran sera pourri, l'autonomie elle sera nulle, j'aurais vraiment envie d'un autre design. Oui, mais elle sera bien pour le petit cousin, la petite sœur, le petit neveu, le fils, etc. Ouais. Enfin, voilà. Ça fait cher juste pour un an. Ouais, surtout, vous préférez la version or, je crois, hein, c'est ça en plus le problème. Non, même pas. Non, non, j'en demande pas tant. Voilà. Bon. Merci beaucoup Delphine Sabatier du Zoom Actu. Jérôme, direction le labo maintenant. Ouais, c'est le labo qui vient ici plutôt. À tout de suite. Et nous retrouvons donc nos amis du labo 01Net.com, François Bedin. Salut François. Bonjour. Avec qui on va parler dans un instant d'enceinte sans fil. Et David Noguera, qui va nous faire une démonstration tout de suite en montant sur la table, c'est ça? Non, pas du tout. En fait, j'ai ramené c'est un plateau à fromage. C'est une balance, effectivement. La nouvelle balance connectée de Terraillon. Alors, je l'aurais un petit peu kidnappée puisqu'elle a été présentée aujourd'hui. Particularité de cette balance connectée, alors effectivement, on va essayer de la montrer. Est-ce qu'on la voit là? Voilà, donc, oh là là, c'est peut-être remarqué. Belle balance. Bienvenue dans notre show spécial électroménager aujourd'hui et bien-être, hein, Jérôme? Oui, alors cette balance, François, je ne connais pas encore le prix, mais elle est Bluetooth, c'est marqué dessus. Oh, c'est génial. Alors le prix, je vais te le donner, 130 €, effectivement. 130 €, bah, c'est dans la moyenne. Oui, on trouve des balances connectées bien moins chères, mais en fait. Tu m'intrigues avec ton truc là qui se colle. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle n'a plus d'écran, cette balance, donc en fait, l'écran est déporté. Donc cette Web Coach Easy View, elle a ce système donc qui est l'Easy View Pop. Et en fait, c'est plutôt pratique parce que on a un peu cassé plein de tabous chez Terraillon, c'est-à-dire si t'as un petit peu de bedaine, que t'arrives pas à avoir tes pieds, tu peux finalement coller ça. Oh quelle horreur! Non mais c'est bête, mais pour les gens. Tiens, je sais à qui je vais l'offrir. Je te signale qu'il te regardait à toi. Hein. Voilà, moi, je veux pas mettre la pagaille là-dedans. Je voulais viser personne. Mais l'idée est quand même assez astucieuse, c'est-à-dire que je peux finalement mettre ça sur mon miroir de salle de bain. Et puis il a d'autres fonctions, c'est-à-dire que ma balance connectée, bah, elle me donne l'heure, elle me donne la date, elle me fait office de timer de 2 minutes pour être sûr qu'on se brosse bien les dents 2 minutes. Elle me donne un timer de 10 minutes quand je suis sous la douche pour éviter de finalement y rester trop longtemps ou rappeler à l'ordre quelqu'un qui aime bien rester sous la douche. Puis il y a une dernière fonction qui est le timer. Enfin, moi j'ai mon smartphone qui fait timer, hein. Préviens-moi dans 2 minutes. Que, si t'es dans une pièce un peu humide, bon, on peut considérer que t'as pas toujours ton smartphone. Il y aura forcément cette connexion avec le smartphone, mais en plus, dans ce petit boîtier, on peut retrouver l'historique des 32 dernières pesées, l'indice de masse corporelle directement. Bien sûr, il y a le fonctionnement avec l'application. Une application d'ailleurs qui a été mise à jour et qui font... Enfin, il y a de belles nouveautés dans cette appli. Alors c'est... On est un peu là sur le plateau de manière un peu exclusive. Donc, mais c'est quoi cette couleur de fin du monde là? On va y toucher. Alors la vraie version sera noire. Là, on vous montre un peu tous les coloris. Non, mais là, c'est la version militaire en fait. Voilà, une espèce de kaki délavé. Hein, voilà. Et moyen. Deuxième produit, c'est la Nutri-Tab. Cette fois-ci, c'est une... balance de cuisine, on avait le pèse personne et là eh bien c'est la balance de cuisine. Donc l'idée c'est je pèse mon aliment, j'envoie les données au smartphone, toujours avec une orientation santé, puisque si je pose, ce matin la démo était sur un croissant, il me pèse le croissant, je lui dis dans mon application, j'ai mis un croissant pur beurre. Là, on voit des tomates à l'écran, voilà, c'est pas les mêmes... ça c'est le côté un peu plus... healthy. On fait bien attention à sa santé. Ouais. Automatiquement, l'aliment est pris en compte et par rapport au poids, va être indiqué dans l'application les différentes valeurs de cet aliment. Donc ça peut être effectivement des tomates, les calories, des choses comme ça. Les calories, alors c'est les 5, c'est glucides, protéines, lipides, vitamines et on retrouve directement dans son application. Ça c'est plutôt pas mal parce que elle se met à jour toute seule. Et elle se met à jour automatiquement toute seule. Alors ça va quand même. Alors, je trouve que en tout cas a priori ça fait plutôt sérieux puisqu'on va quand même taper dans une base qui est faite par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, environnement et travail. Donc 20 000 aliments recensés, on a plutôt tendance à se dire que les données qui seront indiquées, c'est pas du flan. C'est sérieux. Bon. Ça sort quand ? Ça sort dès la fin du mois, 130 €, 80 €. Dernière précision, moi qui m'a plutôt plu, puisque je teste quand même les bracelets connectés, y compris l'activity de Terraillon, c'est qu'il y a une vraie philosophie derrière, puisque dans le programme, quand tu achètes ton pèse personne, tu peux souscrire à un programme en fait je retrouve plus le nom, tu accèdes à ton coach santé, ton nutritionniste en ligne. D'accord. Voilà, tu as le droit à 7 séances, 150 €, tu te fais accompagner pour un programme de 3 mois et essayer de perdre du poids. Voilà. C'est étonnant, Terraillon, on les attendait pas forcément sur ce terrain. Hein. Ils sont obligés d'évoluer parce que c'est des professionnels de la balance, enfin en tout cas de la mesure du poids. Oui. Mais voilà, maintenant, c'est bien, c'est bien. T'es obligé de... Mais c'est pas leur première balance connectée, ça fait un moment qui sont sur ce marché. Juste pour finir, vous parliez de l'Apple Watch. Tous ces produits seront compatibles Kit, donc on pourra migrer ces données sur... Donc je monte sur la balance, mon poids s'affichera sur il y aura une interface ou mon Apple Watch ou sur l'iPhone. Voilà, exactement. D'accord. Bon, très bien, parfait. Merci David. Merci beaucoup. Juste un mot, il y en a beaucoup maintenant des balances connectées sur le marché, non? Il y en a combien à ce point-là? Tant que ça. Il y a les vraies grosses marques, Withings, Terraillon, Rotastic, etc. Elles sont bientôt, elles seront toutes connectées. Il y a des chances que bientôt, effectivement, la balance classique disparaisse. Très bien. Merci beaucoup, David Noguera, notre spécialiste, notre homme de l'objet connecté. Lui aussi est connecté. Ouais, et on va terminer en musique avec lui. Oui. Un peu comme d'habitude, finalement, j'allais dire. Hein. Tous les jeudis, François Bedin. D'habitude, quand même. C'est vrai. Ouais, mais François Bedin, c'est un peu notre DJ à nous, hein, Jérôme, on peut le dire. Hein. Exactement. Dans les mains, et il est venu donc avec une brique. Voilà, c'est la nouvelle petite enceinte portable de Harman Kardon qui s'appelle la One. Alors c'est une enceinte Bluetooth, NFC, pour l'instant rien de nouveau sous le soleil, mais ils ont bossé avec le constructeur de smartphone HTC pour mettre un protocole qui s'appelle HTC Connect. Alors, Kesako. Mais qu'est-ce que c'est qu'HTC Connect? Sur les nouveaux smartphones HTC, par exemple, quand on écoute une chanson, il suffit avec ses 3 doigts d'appuyer vers le haut de l'écran. Ouais. Et dans ce cas-là, le protocole se déclenche, va rechercher toutes les enceintes à proximité, en Bluetooth ou en Wi-Fi, et va proposer de renvoyer le son sur l'enceinte. Wow. Donc tout ça se fait automatiquement, il n'y a même pas d'appairage Bluetooth, c'est du Bluetooth, mais il n'y a pas d'appairage tout. C'est-à-dire que l'enceinte va envoyer un signal au smartphone en lui disant coucou, je suis là. Et instantanément ça marche. Sans que je fasse l'appairage, etc. Sans faire l'appairage. Et sans approcher le téléphone de l'enceinte via le NFC, etc. Il suffit juste que l'enceinte soit allumée, bien entendu, et d'être à proximité. Ça, c'est un protocole qu'HTC veut développer, donc il faut qu'il trouve des marques qui acceptent cette compatibilité. Voilà. Alors, donc, a priori, il y aurait Yamaha et Pioneer qui feraient déjà aussi des produits qui seraient compatibles HTC Connect. D'accord. Et c'est la première, moi, que je vois, en tout cas, en petite enceinte portable. Et alors, est-ce qu'elle est bonne? Alors, écoutez, voilà, le son... un peu de Sam Smith, bon. Là... Bon, écoutez, c'est difficile de se rendre compte. Alors c'est ce qu'on disait avec François, ça manque un petit peu d'aigu, ouais, visiblement. Le son est bon, mais il manque effectivement un peu d'aigu. Et le design est vraiment sympa. Par contre, cette enceinte, elle a un gros problème, c'est l'autonomie. On est en dessous de 5 heures, ce qui est vraiment pas terrible par rapport à toutes les enceintes portables qu'on a testées. Ah ouais. Bon. Donc, bon, ils fournissent l'adaptateur secteur, mais il faudra vraiment l'avoir sous la main. Très bien, voilà, donc on a dit le prix. Hein. Et le prix, non, je ne l'ai pas dit, mais je vais le dire, 150 €, ce qui est relativement correct, mais on aurait aimé qu'il y ait vraiment plus d'autonomie. D'accord, okay. Donc très bien. Très bien, et on va terminer. Merci beaucoup François Bedin. Merci François. Jérôme, un petit coup d'œil sur notre question 01Net Orange concernant l'Apple Watch. Pensez-vous que vous allez acheter l'Apple Watch, puisqu'elle sort demain, enfin en pré-réservation? Ben voilà, le sondage, c'est un non franc et massif. Hein. 70% de non, 25% seulement de oui. Donc pour l'instant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en début de talk, c'est pas le franc enthousiasme, hein, clairement. Maintenant, cela dit, il va falloir qu'on ait cette montre en main et peut-être qu'en la testant, vous changerez d'avis, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est assez tranché. Merci beaucoup à François Bedin, à David Noguera, du Labo. Jérôme, on sera là, bien sûr, très vite. On sera là, oui, on sera là quand? On sera là samedi pour le JTech. Voilà, on sera là demain aussi, bien sûr, pour De Quoi Je Mêle, avec toute l'équipe de De Quoi Je Mêle qui sera là. Tu seras aussi à l'Apple Store pour voir un petit peu comment ça se passe. Voilà, restez sur précommande. Et donc, on verra ça demain dans la journée sur 01nettv.com. Et puis, on vous remercie d'être fidèles. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé énormément de messages, encore une fois, sur Twitter avec le hashtag 01Live. On se retrouve très vite, bien évidemment. Et merci François, à nos amis qui réalisaient ce 01Live Hebdo, comme d'habitude. Jean-David Duhart, Florian Bonfoton, et Jérôme Giliberto qui est au son. Voilà, si vous entendez aussi bien, c'est en gros grâce à lui. À très vite, merci de nous suivre. Salut à tous.